Oublions un instant la Covid pour faire un voyage dans le passé. Voilà 50 ans ce mois-ci que la Fondation Boussicault, qui appartenait à l'Assistance publique de Paris, est devenue la maison de retraite de Mont-Saint-Aignan du CHU de Rouen. L'établissement a été inauguré le 4 mai 1970 en présence de Monsieur Le Canuet, alors sénateur maire de Rouen, et Monsieur Boulanger, directeur général du CHU. Un demi-siècle plus tard, les résidents voyagent dans l'espace et dans le temps à l'aide de la réalité virtuelle et échangent avec leur famille en visio. La réalité virtuelle se développe au-delà de la gériatrie, notamment pour son effet antalgique lors de certains soins, comme ici, en hémato-oncologie pédiatrique.